Et bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode 8 du PPFAC. Comme vous l'avez vu, normalement en intro, un petit pillage de base. Alors je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, on était en train de miner en dessous de la base. Je vous montrerai évidemment en fin de vidéo, mais plus tard. Je vous montrerai évidemment plus tard. Et avec Floris, on était tous les deux en train de miner à la Steel Touch, enfin à l'F5 avec l'Ast 2. Et on a vu, enfin moi j'ai vu Doliprane, donc un mec qui vient assez souvent sur le PPFAC en ce moment, faire deux kills, donc je fais GG, double kill, voilà. Le mec il me fait, non je me fais assaut, enfin c'est pas cool, donc bon ok. Et plus tard je vois des coordonnées passer dans le chat, donc je me dis, bah c'est peut-être les coordonnées de la base, enfin des mecs sont en train d'essayer de piller la base et ils ont envoyé les coordonnées comme des cons. Donc je dis à Floris, bah viens on va voir, ça coûte rien d'aller voir. Donc on va voir, et effectivement c'était les bonnes coordonnées. Donc bon, il n'y avait pas de chemin jusqu'à la base, donc on commence à placer TNT et le mec croise jusqu'à nous. Donc bah il nous fait un chemin jusqu'à sa base, donc on est rentré. Ils avaient 10 claims, 17 power, on les a tués quelques fois, ils sont revenus no stuff, donc on les a tués rapidement. Et on a pillé toute la base, donc ça vous l'avez vu dans la séquence d'avant. Donc pour vous montrer un peu tous les stuff qu'on a récup, on a déposé dans le au spawn tous les stuff en pierre puisqu'on s'en fout totalement, et la cobble aussi on le fera parce que bon hein, qu'on a récup tout ça. Bon j'ai pas encore tout regardé, faut que je range après, mais on a récup quelques trucs, bon, tout petit peu d'or,
On n'a pas récupéré les plus grosses ressources parce que comme je vous l'ai dit, le temps qu'on aille là-bas, bah ils ont le temps de sauvegarder les plus grandes ressources. Donc bon, il y a pratiquement que de la cobble, mais voilà. Sharpness 2 en diams, c'est pas mal quand même. Ah non, ça c'était à moi je crois, mais je suis mort, enfin, bref. Des strange et ça. Et juste après, justement, quand j'étais en train de... Enfin, j'allais ranger les coffres. Il y a Floris qui me dit viens au spawn, il y a plein de stuff faire et tout ça, donc j'arrive. Donc avec Popo Stranger, Speed et les pommes d'or, parce que j'ai une pomme d'or toutes les heures avec mon kit. D'ailleurs je pense que je peux le refaire. Oui. Ah, je peux même faire le creeper, c'est vrai. PP plus. Et le kit. Creeper, merci. Donc voilà. C'est... J'ai des pommes d'or pratiquement à l'infini, donc je me mets encore 16, enfin 14 ans dessus, bon vu que je le fais assez souvent, autant les utiliser. Oui, hein, ah oui. Donc du coup voilà. Et j'ai réussi à niquer deux mecs facilement, donc j'ai déjà ça comme stuff. Puis après plus tard je redescends pour attirer un peu les mecs. Et je sais pas d'où je me fais descendre à deux coeurs, donc et apparemment c'est un invisi. Enfin, apparemment c'était un invisi, donc j'ai réussi à m'échapper plus loin et avec l'aide de Floris et Carnage qui m'ont couvert un peu. J'ai pris heureusement les pommes d'or qui m'ont sauvé cette fois-ci puisque j'ai pu regagner ma vie assez rapidement. Et en fait c'est un invisi, on a réussi à... enfin Carnage a réussi à lui foutre une flèche, donc après on le voyait, on l'a buté. Voilà. Et c'est bon, je suis retourné. Et donc bon, il y avait là on a eu déjà un peu de stuff. Enfin j'arrive déjà un peu de stuff et après encore après ah oui, ok, on va poser ça au spawn d'ailleurs. Et donc un peu après je vois un mec qui demande à MC Ilja et il y a un mec qui est descendu ou quoi et Axterion de PVP, donc je me dis tiens c'est l'occasion, peut-être que MC Ilja et Axterion vont sortir tu vois. Donc je commence à aller au... oui il y a des mecs. Je vais reprendre mes potions d'ailleurs. Je commence à aller au spawn et me cacher derrière. En attendant que... Bon, malheureusement, j'ai pas pu les avoir la première fois. Et donc, bah, les mecs reviennent au stuff et disent est-ce que vous voulez re-PVP déjà, etc. Bon, ils ont dit non, donc je me suis dit, bon, bah merde, c'est mort, quoi, je vais pas pouvoir les tuer. Et finalement, viens spawn. Okay. Et donc finalement, je... Oh, il y a du stuff ça. Enfin, il y a des mecs un peu stuff. Ah bah c'est Axel qui a pris le stuff dans le coche, je pense. Ouais, voilà. Voilà comment il part en 2 secondes. Quoi. Bref. Donc, je vois, il y a un mec qui propose à un autre de PVP. Je me suis dit, putain, c'est l'occasion. Ils vont se PVP, après ils jouent avec Théon, ils vont descendre pour niquer le mec à gagner. Et donc, je bois ma speed. Et bim, enfin, j'étais ici, en gros. Et je voyais les pseudos comme ça, voilà, tout à fait. Et je vois le pseudo de MC Ilja qui descend. Donc, bah, il sait dire qu'il est descendu PP. Donc je bois vite ma Strange et ma pomme d'or. Je les poursuis, j'envoie une Underpearl sur... parce qu'il y avait Acteron MC Ilja. Sur Acteron qui était full fer. Donc j'arrive à... je le prends par surprise en 2 coups avec Strange et Sharpness 3. Bon, je l'ai eu en 2 coups. Donc voilà. Et après j'ai réussi à avoir aussi par surprise, enfin... toujours dans pratiquement instantanément j'ai réussi à redonner un coup à Ilja, donc du coup ça fait un coup d'avance et j'ai réussi à niquer lui, il était medium semi-fer, donc j'ai récupéré un peu de stuff, c'est ça qui est cool. Et le truc c'est que juste après j'étais en train de j'étais full parce que bon il y avait les deux stuff plus le stuff du mec qui avait buté Ilja à l'extérieur. Et donc j'étais en train de balarguer tout ce qui s'avère, genre le stuff de cobble, tout ça. Et là, il y a Axel, donc un autre stuff qui arrive et qui prend le stuff. Donc je commence à le poursuivre, tout ça. Enfin, qui prend tout le stuff qui restait. Donc je commence à le poursuivre et tout ça. Et le truc, c'est que j'ai pas réussi à lui donner un coup, donc il n'était pas en combat. Donc il s'est retourné, il s'est déco direct. Et donc du coup, bah, j'étais un peu cerné entre soit revenir au FO et me poser le stuff que j'avais déjà récup, soit attendre qu'il se reco mais en prenant le risque que Axterion et Ilja reviennent stuff et me bute que je perde tout ce que j'avais récup, notamment quelque chose que je vais vous montrer juste après. Et ok, qui c'est qui me spam Skype? Wow, c'est Carnage ça c'est sûr. Putain.
Bref, oui, donc c'est évidemment Carnage. Donc. Oh putain, je vais mettre comme ça, vous l'entendrez pas, voilà. Donc pour finir parce que c'est très très long. Du coup j'ai décidé d'attendre en prenant le risque et je l'ai buté. Bon finalement il n'avait pas récup grand chose donc voilà c'était un peu du mal pour rien mais bon. Voilà pour vous montrer un peu tout ce que j'ai récup. Donc au début les tout premiers PVP que j'ai réussi à niquer les mecs j'ai récup ça et ça. Donc c'est déjà pas mal plus celle-ci aussi je crois. Et après sur MC Ilja et tout ça j'ai récup il y en a 4 je crois. Bref, ça, protection 2, scène break 2, break 2, ça, bon, après, il y a pas mal de popos, de poison, des strange, ça, et du fer, protection 3, protection 3, protection 2, enfin, il y a du bon stuff quand même, et surtout ça fait sûr de plaise, unbreak 3, protection 4, tendance 2, donc, bon, je sais pas si je le prends dans mon P4, puisque le unbreak, je m'en fous un peu, puisque... Du coup ça coûte plus cher à réparer donc ça sert à rien mais par contre le temps c'est intéressant. Bon je sais pas, je m'étais réparé mon full P4 à donc je sais pas en tout cas je suis content pour ce soir, on a fait vraiment pas mal de PVP. Et c'était cool, bon j'ai pas pu filmer parce que j'ai pas mon frappe d'ouvert et puis bah sur le coup je pouvais pas comme ça. Donc c'est cool, on s'est fait pas mal de stuff, c'est vraiment cool. J'ai reclaim, enfin j'ai unclaim les parcelles là-bas. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Pourquoi il fait du siècle? Ok. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant, je crois. Donc ce sera tout. On se retrouvera plus tard. Enfin, pour moi beaucoup plus tard, je pense. Quand on aura fini toute la base, c'est-à-dire la sorte de quarry plus le tour. Même si j'ai déjà pas mal avancé. Et puis voilà. Donc là il y a vraiment pas mal de stuff pp. Ah non, la F4 je les récupère sur les autres je crois. Je dois l'avoir quelque part. Peut-être quelqu'un qui l'a déjà prise en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui l'a déjà prise. Bref, donc du coup on se retrouve plus tard. Allez.